Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft avec un nouveau robot. Vous pouvez le voir, il a une gueule monstrueuse, je sais pas ce que c'est, visuellement, il claque violemment, et il a de quoi faire bobo. Donc on va bien voir. Je ne vois rien. Rien. Je ne vois rien du tout. Arrêtez de tous venir partout où je suis. Il y a un truc bizarre au niveau des... Putain, c'est des petits snipers que j'ai. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est bizarre quand même, hein. Je veux pas dire, mais... C'est très bizarre comme type de jeu, hein. Superman! Oh mon dieu! Non, c'est Batman. What? Je suis trop fort! C'est bien de pousser. Aïe! Batman! J'ai plus assez de canon! Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah d'accord. D'accord, c'était avec eux. Ok. Hop! Pourquoi mettre que des petits snipers? M'énerve Batman. Raté. Merde, je suis en bout de souris. Entubé. Ah c'est fini. Bon d'accord. Ok, pourquoi des petits snipers? Je veux bien comprendre que le machin en fait est... Je veux pas dire, je l'ai payé 346 000 chers amis. Donc honnêtement je suis assez déçu. Surtout que là apparemment il ne vole plus. Et il fait zéro dégâts. Bon bah je suis déçu, c'est... On va prendre à vouloir changer de type de gameplay. Voilà, bon bah grosse déception hein. Grosse déception, visuellement il avait de la gueule, il avait tout ce qu'il fallait, mais non. Mais non. Popo, popo. Oh bah il y a un rototo. C'est dégueulasse. Blah. Bon, alors. Merde! Okay. Ah,
Oh mais merde. Ah mais et son pote qui est venu. Et mon pote à moi il est où? Ah bah il est mort. Bon, trop lent. Et même si visuellement stylé, trop mauvais. Grosse déception. Grosse déception. Je vais essayer d'y aller comme ça. Problème étant que je ne peux pas voir véritablement l'ennemi. Quel dommage. Du coup, je ne vois plus rien. Donc non, je permets d'avancer. Restez peut-être sur une hauteur. Non, raté. Dommage. Ah merde. Aïe. Alors. Aïe. Ok. Si je peux le reverrouiller, ce serait parfait. Ça passe, t'es sérieux là? Hop. Non mais tire. Mais pourquoi tu tires pas là où je vise? Je suis que niveau 7, je fais pas masse dégâts. En tout cas pas à l'heure actuelle. D'accord, c'est de pire en pire au niveau de la précision. Ok. Pourquoi pas. Qu'est-ce que... Je fais pas de dégâts de toute façon. Aïe. Ok. Je fais pas assez de dégâts. Je suis toujours à 100% de PV. Oh. Ça sert à quoi de sniper? Hop. On va me faire défoncer. Hop. Ok. On est mort. Ah bah tiens, bonjour. Ah bah oui. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, c'est pas grave. Se rendre.
Oh, fallait être honnête, hein. Hop. Et forcément, j'ai personne pour m'aider, puisqu'on est tous morts. Bah oui, c'est ça le principe, c'est... On refuse d'abandonner même si on est tous morts et qu'on est en train de perdre. C'est la fête. Mais enfin bon, c'est pas grave. Ce robot ira à la poubelle. Parce que même s'il a de la gueule, il fait zéro dégâts. Mais alors zéro. Que puis que dalle nada. C'est dommage, j'ai les yeux complètement défoncés, chers amis, je suis désolé. Ouah. Ah. Voilà, c'est bon, je retrouve mon Robocraft. Hop. J'aime pas les zombies, mais celui-là a de la gueule, je reconnais. Hop, voilà. Aïe. Non, je sais pas tirer dessus, ça t'est pas venu à l'esprit? Ah, t'as que du heal. Bon bah écoute, c'est pas la peine, hein. Hop. Ça y est, j'aimerais bien que tu perdes ta roue, mais apparemment moi je vais mourir, apparemment aussi. Voilà, crac. Puisque personne n'est là pour tirer sur un mec qui vole complètement gratuitement. Mais bon, c'est comme ça. Comme de toute façon je fais pas de dégâts, donc je peux pas me plaindre. J'ai un robot qui a zéro dégâts et on a... Ah non, je peux dire que j'allais dire qu'on a des AFK, mais... Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah là là, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance, chers amis. Ah oui, j'ai compris aussi pourquoi vous dites que des fois je rage parce que je suis tout seul, parce que ça m'énerve le truc. Mais oui, en fait, ça vient d'un seul et un unique fait, en fait, c'est que quand je joue à Overwatch, les maps sont suffisamment petites et à objectif pour toujours être en groupe le plus souvent, en tout cas. Chose qui n'existe pas dans ce jeu. On est tous dispersés, Dieu seul sait comment. Ah, 2-2. C'est chez nous? C'est chez nous. Voilà. Vous êtes sûr que vous voulez pas vous rendre? Bah non. On a deux joueurs en moins, mais non. Si c'est pas trois, deux. Vaut mieux pourrir une vidéo! Vous les spotteriez, les ennemis aussi. En train de me demander si j'avais encore des snipes. Vu que je tire plus du tout. Alors c'est bien, les petits robots en fait n'ont pas plus de... Oui! Mais non, les gens veulent pas. Zéro, alors zéro cadence de tir, zéro dégâts, c'est génial.
Non mais arrête de me heal, tu me pètes les couilles à me heal. C'est parce que tu sers à rien dans le groupe non plus, donc Ah bah voilà. Bon bah écoutez. Moi j'arrête hein. Vu qu'ils font toujours rien contre les Leavers. C'est génial. Et on ne peut pas abandonner la partie parce qu'il faut attendre 2 minutes entre chaque. Donc pendant, en fait, pendant 2 minutes, vous perdez l'envie de jouer au jeu. Et les développeurs s'en foutent, littéralement. Ouais! De mieux en mieux! Il en a fallu du temps pour que il termine. Je m'amuse. Donc ce robot. Et le pire, c'est que le robot était en haut de la liste. Il était en haut de la liste. C'est pas grave. Donc, combat 0, style, bien. Poubelle. Merci. Au revoir. Est-ce qu'on a d'autres robots? Parce qu'on va là, on va juste choisir un robot supplémentaire et puis après on va se. Eh ben dis donc. Alors, je précise, n'a aucune arme. Mais a 5 en combat. Visuellement, il claque. Non. Non plus. Un truc qui vole, non. Non. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de tank. On verra bien. Ça fait longtemps. Hop, on part en arène de combat pour une deuxième partie malgré tout, même si on est à plus de 15 minutes d'épisode. C'est ça, on a 18 minutes, c'est pas grave, on tente le coup, chers amis. Quitte à se faire souffrir. Ah, il a pas d'objet cheaté. Non, je vais perdre. Quelle horreur. J'espère pas. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait vraiment dire que voilà, qu'un robot qui n'est pas cheaté de base ou qui est handicapé par quelque chose ne peut pas gagner. Handicapé par quelque chose, c'est logique. Pas cheaté, c'est pas si logique. Attends-moi, parce qu'en fait, il faut que j'aille par là, moi. Ou alors je vais tout droit et je vais choper la truie du milieu en passant par derrière. C'est une idée. Passer par derrière, j'ai toujours aimé ça. Bon. Bien, c'est que c'est un de ces robots, vous savez, qui... Voilà. Enfin bon, c'est pas grave. J'attends toujours des nouvelles pour ce qui est de Power Rangers Mega Battle. J'ai toujours pas de nouvelles sur internet, de rien du tout. C'est une tristesse. Et comme je dois modifier une série cette semaine, parce que j'ai pas envie de laisser du Starband tourner en boucle, s'il y a aucun véritable contenu nouveau à observer dedans... J'ai déjà plus de piles. Ok. Allez. Hop. Voilà. Crac.
Film 6, je pensais que c'était solide. Je me suis peut-être trompé. Je me suis peut-être trompé. D'accord. Hop. Allons-y. Je te suis. Ah bah. Pourriture d'abruti. Pensez à spotter les ennemis, ce serait cool. Hop, merci d'être passé. Oh la vache, c'est dur. Hop. Allez Marcus, dégage. Hop, voilà, salut. Oui, il a une shred lui. Ah, j'ai plus de balles. Bientôt lui non plus de toute façon. Ah ouais, mais son pote si par contre. C'est pas grave. C'est pas grave. En fait, son pote, il est derrière tout le temps. Ce qui fait qu'en fait, son shred est impossible à abattre. C'est génial. Ouh. Je sais pas s'il est efficace, mais. En tout cas, il montre qu'il a des potions de dépôt des possibilités. On va essayer d'aller rechercher leur tour. On a un sniper qui reste ici. J'ai rarement snipé sur cette mission. Sur cette map, pardon. Recule, 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 recule. Alors je suis désolé chers amis, en fait à chaque fois que j'avance et que je recule, il vient faire de drôles de mouvements. Je m'assure juste que les autres tours ne prennent pas de dégâts du tout. Des fois un petit mec qui vient faire des petites conneries, ça peut être casse-couille. Vous voyez, j'ai cru voir. Bah, la merde. Aïe. Ok. Apparemment non. Allez, régène. C'est bon. Ouh. Crac, allons-y. Ennemi. Non. Ok. Ok. J'ai plus de munitions. Littéralement. Hop. Encore un autre. C'est pas grave, on s'enfuit. Hop.
Merci d'être venu. Hop, ça me permet de me mettre à l'abri. Faut essayer de... Putain, j'ai plus d'argent. C'est énervant. Il aurait fallu que j'attende, selon vous. Je sais pas si la régène fait qu'il est suffisant d'attendre. Enfin, s'il est utile d'attendre véritablement ou pas. Ok. Ok. Ok, on est bon. On est bon. Hop. Il est rigolo finalement à déplacer. Ça c'est moche par contre. Oh, t'es sérieux? Alors papa. Merci d'être venu. Aïe, tout ça pour avoir le point. Crac. Aïe. Aïe. Aïe, un coup de main? Non? Je vais me faire foutre? Ok. Un peu tard. Voilà, c'est trop tard. Merci quand même. Bon, il est pas mal, robot. Et je suis en train de comprendre qu'en fait, je peux... En petite rafale, je peux gagner de continuer à gagner de l'énergie un petit peu. Faut que je sois précis dans mes tirs, mais ça peut être suffisant pour péter les cubes. C'est compliqué. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, je plains toujours le problème de mouvement qu'il y a avec ces tracks. Qui en fait sont, encore une fois, soumises à une physique qui n'est pas existante. En vrai, ça se passe pas comme ça. Les tracks sont très très lourds et très très durs à manœuvrer. Ce qui fait qu'en fait, ça fait plutôt bouh que bla 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 bla. Du coup, c'est normalement un peu plus long. C'est censé avoir une légère latence en fait, plutôt qu'un truc qui parte. Avec une force d'entraînement un peu trop grande. Donc c'est assez étrange, hein. C'est pas comme ça qu'on sonne de vrais tracks en tout cas. Mais là n'est pas la question comme on dit. Hop. Tire-moi dessus. Hop, allez, viens, 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 viens. Vous voyez là par exemple, il y a un entraînement qui est bien trop grand. Hop.
Voilà. Hop. Derrière moi. Ok. Ok. On couvre les quelques rares survivants qui tentent de faire une... Je me fais défoncer par l'arrière, ce que je comprends pas, compte tenu du fait que j'ai laissé des gens normalement derrière moi. Ok, bizarre. Toi, faudrait peut-être que tu sois un peu plus offensif, que tu viennes dans la mêlée, tout ça. Parce que là, tu vois, tu me sers à rien à part me bloquer. Et comme le robot est déjà assez étrange à utiliser. Hop, victoire. Bon. Bon, bah finalement, c'était pas si mal passé. Bon, on va peut-être pas avoir la médaille d'or, hein. Enfin, le plus gros score. Voilà, je pense. Ouais, c'est ric-rac. À 4 points près, j'ai battu Monsieur Cousin. Mais bon, c'est comme ça. Ok, donc intéressant, même si vous avez pu voir qu'il a des gros problèmes de déplacement. Ce qui est un peu embêtant. Mais bon. Je voudrais juste tester un truc. Je vais essayer un truc, on va essayer un truc, chers amis. Alors, il est intéressant même s'il est très moche. J'ai envie d'essayer un truc. C'est très simple, hein, vous allez voir. Je sais pas du tout à combien je suis à... 2000 déjà. Ah merde. Ah bon, bon ok. Comment ça, j'ai plus aucun cube? C'est sérieux? Ah oui, j'ai plus aucun cube. Bon bref, c'est pas là le problème. Inventaire. Ce serait pas celui-là que j'aimerais avoir. Alors peut-être ce genre-là. Ouais, voilà, UC insuffisant. C'est bien ça. Bon bah tant pis. Je voulais rajouter des petits trous en fait, littéralement. Juste de tout petits trous. Mais ça veut pas. Et bah écoutez, chers amis, du coup, merci d'avoir laissé la vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo!